Hello, hello, amis scorpions, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de mars. Ça passe super vite, mais en même temps, j'ai hâte d'être au printemps. Alors, j'ai sorti l'oracle des miroirs qui va permettre de regarder votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, si vous avez quelqu'un dans le cœur, quels sont les blocages, quelle va être l'évolution. Et puis, on va commencer le tirage avec le tarot. Alors le tarot, lui, il va simplement montrer, je vais faire une coupe en fait, et il va simplement montrer quelle va être l'ambiance globale, sentimentale de ce mois de mars. Allez, c'est parti. Alors, As de denier, 4 de bâton. Waouh, magnifique. Magnifique. As de denier, alors, si vous êtes célibataire, il y a une nouvelle rencontre, il y a un nouveau départ, il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous sur ce mois de... Waouh, reine de denier derrière, ouais. Il y a vraiment de belles opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a une période d'abondance hein, là qui arrive. Il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ, d'une nouvelle rencontre qui est possible. Hein. C'est un as, c'est comme tous les as, voilà. Et en plus, c'est pas une rencontre, comment dire, anodine, parce qu'on a ce 4 de bâton. Et ce 4 de bâton, ici, c'est vraiment une personne avec qui vous allez avoir la possibilité de fonder quelque chose, d'accord? Alors on pourrait voir, pourquoi pas, pour certains, parce que j'ai un 5 de bâton derrière, on pourrait voir, pourquoi pas, pour certains, un nouveau départ avec une personne avec qui vous êtes fâché. Ok? C'est-à-dire que peut-être que vous allez reprendre contact avec quelqu'un si vous avez eu des différends. Hein? Sinon, si vraiment c'est une nouvelle rencontre, ce sera pas par les sites de rencontre ou les réseaux sociaux. D'accord? Ce sera très certainement... Plus certainement au travers des liens d'amitié que vous avez avec certaines personnes lors d'une fête, par exemple. Une fête, une réunion de famille ou une sortie avec vos amis, je sais pas, un mariage, un baptême, un anniversaire. Là, si vous êtes célibataire, ça me fait plutôt penser à ça. Ce sera pas grâce au site de rencontre, ce sera pas grâce aux réseaux sociaux, ce sera vraiment grâce à votre cercle social, je pense que vous pouvez faire cette nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, il y a un nouveau départ hein, ici. Hein. Un nouveau départ avec beaucoup plus de joie, de partage, de plaisir d'être avec la personne que vous aimez. On voit de l'harmonie, on voit un foyer, une relation sentimentale qui est assez solide, malgré quelques querelles possibles. Mais bon, ça... On peut toujours avoir des moments de querelle où la tension va monter un petit peu, où on a des moments où on a du mal à s'accorder du temps. Enfin, voilà, ça va être entre joie, pour les couples ici, ça va être entre période de joie et période un petit peu plus tendue, mais c'est pas non plus, enfin voilà, c'est la routine, quoi, j'ai presque envie de dire, la routine d'un couple qui est bien établi, mais les cartes sont vraiment pas mal, hein. Regardez, hein, reine de denier, reine de coupe, on est dans l'amour, on est dans la protection du foyer. Alors attention aussi, parce que je suis obligée de le dire, il y a deux femmes quand même ici, et avec le 5 de bâton, ça peut montrer qu'on est aussi attiré par une personne qui n'est pas libre. Hein. Une reine de coupe, c'est une personne qui est engagée, surtout avec la lune. Ça peut montrer que cette reine de coupe a une famille, d'accord? Il peut y avoir l'amante d'un côté et la femme prise mariée de l'autre qui a une famille de l'autre. Encore plus avec le 4 de bâton qui représente le mariage et le 5 de bâton derrière qui, comme je l'ai dit,
peut représenter le fait d'être attiré par une personne qui n'est pas libre. On va voir, hein, on va voir si de toute façon on a triangulaire ou pas ou quoi sur les autres cartes. C'est parti, on va regarder déjà sur votre état d'esprit. Ah, ouais, j'ai l'amour pour une personne étrangère hein, ici. Hein. Donc pour les personnes qui sont en couple, voilà, voilà. Même si j'ai pas vraiment la trahison, mais alors, si déjà vous êtes célibataire, dans votre état d'esprit, évidemment, vous vous voulez faire connaissance. Hein. Vous voulez faire connaissance avec avec quelqu'un et vous voulez vous voulez trouver l'amour. Voilà, vous voulez trouver l'amour. Vous voulez... comment dire? Oui, vous voulez une nouvelle relation, en fait, ici. Donc, avec la carte de l'étranger qui sort, on voit bien cette notion de dire, bah, je m'en vais vers l'inconnu, hein, et je m'ouvre aussi aux inconnus. Je partage avec, les personnes que je ne connais pas. C'est-à-dire que là, on peut voir que vous allez... moi, je pense qu'il y a l'envie d'une nouvelle rencontre, hein, quand même, hein, d'une nouvelle rencontre sentimentale. Dans votre état d'esprit, elle est là, l'envie, si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un, elle est là. Mais avec la carte du retard, pour autant, moi, j'ai l'impression que vous ne... Comment dire? Vous n'allez pas vous précipiter, hein, d'accord? Vous allez... comment dire vous allez quand même laisser le temps un petit peu s'écouler. C'est-à-dire que même si vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas ici avec l'étranger, et que vous avez envie de commencer une relation sentimentale, voilà, vous allez un petit peu retarder les choses parce que ce que vous voulez, c'est pouvoir prendre votre temps. Si vous êtes ici en couple, alors, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais on peut voir une relation très certainement jeune, hein, qui n'a pas plus de, allez, 3-4 ans. C'est une relation qui a commencé et qui est toute nouvelle, qui est toute fraîche, ou en tout cas certainement par rapport à celle que vous vivez dans votre couple. Bon, il y a deux possibilités d'interprétation. Mais soit très clairement, il y a une triangulaire dans l'histoire, c'est-à-dire que vous avez de l'amour pour une personne qui ne vit pas avec vous. Ça, c'est la première possibilité parce qu'encore une fois, ça représente la personne étrangère et on a de l'amour pour la personne étrangère. Donc pour les personnes en couple, on peut voir une nouvelle relation et on pourrait le traduire comme ça. La nouvelle relation, vous avez de l'amour pour elle ou pour lui et de l'amour pour cette personne qui est étrangère à votre vie. D'accord? Mais encore une fois, vous laissez le temps faire les choses. Hein. Pas de précipitation, etc. Voilà. On peut le comprendre comme ça ou alors on peut aussi le comprendre comme... peut-être que vous avez beaucoup d'amour pour vos enfants, si vous en avez, mais par rapport à votre autre, eh bien, vous êtes devenus presque comme deux étrangers, d'accord? C'est-à-dire que certainement que vous vivez encore ensemble parce que vous avez des enfants, etc. Mais vous êtes aujourd'hui devenus presque comme deux étrangers dans le sens où la carte du retard peut représenter le fait de se sentir en décalage avec son autre. Et il y a une féminine, hein, principalement ici qui peut se sentir en décalage avec, bah, avec son autre, quoi. On va aller voir du coup quel est l'état d'esprit de votre autre.
Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre? Alors là, si vous êtes célibataire, évidemment, je vous invite à avancer un peu la vidéo parce que ça va pas vous parler puisque là, on est dans l'état d'esprit de votre autre. Donc, c'est forcément pour les personnes qui ont quelqu'un déjà dans le cœur. Alors, moi, je vais vous dire un petit peu ce que je ressens en fait ici. Ah là là, on ressort la joie, on ressort l'étranger. La joie peut représenter la carte de du mariage, du pacte, de la relation officielle. On a, quoi qu'il en soit, quelque part, une tierce personne, un rival ou une rivale ici. Il y a des secrets, il y a des non-dits. On cache en fait, on cache une rivalité, on cache une personne étrangère. Alors du coup, j'arrive pas à dire si c'est vous qui avez quelqu'un d'autre ou si c'est votre autre qui a quelqu'un d'autre. À moins que vous soyez tous les deux avec quelqu'un d'autre. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a des non-dits. Il y a des choses que votre autre ne vous dit pas. Alors, j'ai l'impression qu'on est un petit peu aussi avec hérédité ici sur quelqu'un d'un peu matérialiste, voyez? Ou en tout cas quelqu'un qui est un petit peu intéressé par, comment dire, par le côté pognon, hein, par le côté héritage, par tout ça. Donc, votre autre, alors je ne sais pas si c'est la personne avec laquelle vous vivez ou si c'est une énergie tierce. Mais on est sur quelqu'un qui, voilà, qui est intéressé, qui est assez... Ouais, je vais être honnête, hein, pour moi, je pense qu'on est sur quelqu'un qui est assez matérialiste. Pourquoi je vous parle de matérialisme, les amis? Parce que ici, on a contrat avec verdict. Et en fait, on sent ici une personne qui préfère le côté... Enfin, qui, dans son état d'esprit, en fait, puisqu'on est sur son état d'esprit, on est sur une personne qui est dans la... Contrat, ça peut représenter, vous voyez, tout ce qui est transaction d'argent. Donc on voit bien que c'est une personne, surtout avec verdict qui sort, c'est une personne qui veut... Alors, soit vous vivez avec cette personne, et c'est une personne qui, dans son état d'esprit, bah, aujourd'hui, c'est une personne qui est plus matérialiste qu'autre chose, qui veut pouvoir concrétiser des transactions d'argent ou ce genre de choses. J'ai l'impression quand même que... Ouais, c'est une personne qui veut que les choses avancent en... Il y a une histoire d'héritage ou il y a une histoire de fric, hein, ici, hein, quand même, hein. Et c'est quelque chose d'assez présent dans l'état d'esprit de votre autre. Et j'ai l'impression qu'en plus, c'est une personne qui a envie de vous parler de ça. Alors, soit c'est une personne qui veut mettre en place, ici, je vais vous dire tel qu'on pourrait le comprendre en fait, on a l'impression que dans l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui aimerait qu'un contrat soit conclu pour peut-être une question d'héritage. D'accord? Une question d'héritage, etc. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui veut avoir une discussion avec vous à ce sujet-là. Alors, soit c'est pour vous protéger, ce qui pourrait être plutôt positif, hein, vous mettre à l'abri financièrement, soit c'est pour que cette personne se mette à l'abri, c'est-à-dire que c'est une personne peut-être qui vise ses propres intérêts et qui vise à se mettre à l'abri financièrement, mais il y a quelque chose en rapport avec les finances, hein, là. Si il n'y a vraiment pas d'aspect financier, et moi j'en doute, on est quand même sur quelqu'un qui reste, alors, qui est matérialiste, déjà de un, qui est très formel, très conventionnel, hein, et avec verdict, on est sur quelqu'un qui prend beaucoup ses décisions en fonction de l'aspect matériel, en fonction de l'aspect financier, et en fonction des conventions et de l'aspect formel des choses. Je sais pas si vous arrivez à me suivre. C'est-à-dire qu'on est ici sur une personne qui est tellement matérialiste, tellement portée sur l'argent, pas du tout une personne portée sur le cœur, là, je suis désolée de vous le dire, qu'on voit que dans son état d'esprit, c'est une personne qui prend des décisions dans sa vie uniquement par rapport au côté formel,
c'est-à-dire la façon dont elle a été éduquée, au côté conventionnel de ce que la société attend de lui ou d'elle, et que c'est une personne qui prend des décisions beaucoup aussi en fonction du côté matériel et financier, hein, d'accord? Donc on voit que c'est une personne qui a envie quand même de dialoguer avec vous, hein, qui a envie d'échanger avec vous, mais faites gaffe parce que ici, c'est une personne qui pense à ses plaisirs avant tout. Voilà, qui pense à ses propres plaisirs avant tout. Qui certes a envie de bavarder avec vous, a envie de communiquer avec vous dans son état d'esprit, mais là, avec contrat et la carte de la joie, en plus, on pourrait voir quelqu'un peut-être qui est engagé et qui reste peut-être dans son union, plus justement par côté pognon, hérédité. Et donc forcément, il y a de la rivalité hein, avec la personne étrangère. J'aime pas du tout, je vous le dis honnêtement, j'aime pas du tout ce genre d'état d'esprit parce que moi je suis complètement à l'opposé de ça. Ça me fait penser, vous savez, à l'arnaqueur de Tinder. Je sais pas si vous avez regardé ce reportage-là sur Netflix. Très intéressant à regarder si jamais vous l'avez pas vu. Allez, on va aller voir ce qui bloque. Regardez, on retrouve la notion d'étranger. Ouais, puis l'amour, ouais, l'amour sort sur le blocage, hein, les amis. Hein, les personnes qui seront concernées par ce tirage. En fait, je pense que vous savez, le 5 de bâton qu'on avait dès le départ, on le retrouve partout là. Hein, la carte de l'étranger, de l'étranger, de l'étranger. Attiré par une personne qui n'est pas libre, hein. Ça ressort beaucoup, beaucoup sur votre tirage, hein, les amis. Hein. Donc on peut être sur un tirage fortement influencé par la triangulaire, hein, ici. Hein. Même si j'ai pas vraiment la carte de la trahison, mais j'ai l'étranger qui sort partout. Hein. Partout, partout, partout. Alors qu'est-ce qui bloque? Bah regardez. Alors si vous êtes célibataire, ce qui bloque, c'est évidemment que vous êtes seul, la séparation, voilà, évidemment. Il y a du mal ici à ce qu'il y ait un nouveau départ hein, dans votre vie sentimentale. Pourquoi? Parce que les personnes, peut-être, les personnes étrangères, justement, avec qui vous faites connaissance, etc., s'avèrent toujours à un moment donné être hypocrites avec vous. D'accord? Et à vous faire peut-être miroiter, voyez. Ça va, vous me sortez quand même le miroir magique, heureusement, à vous faire miroiter certaines choses, mais ce sont des personnes qui ne sont peut-être pas dans l'amour, justement, avec vous, d'accord? On voyait quelqu'un d'intéressé juste avant, peut-être que vous attirez des gens bah, principalement intéressés, voilà. Donc si vous êtes célibataire, bah, c'est vrai que là, on voit que sur ce mois de mars, il va falloir vous méfier, hein. Il va falloir vous méfier des inconnus, parce que ça pourrait être des gens médisants, des gens hypocrites ou des gens qui vous dupent, d'accord? Qui vont vous faire croire, encore une fois, hein, à des sentiments alors que là, on a l'amour qui sort sur le blocage. Donc, ce sont des personnes qui ne seront pas dans l'amour avec vous. Hein. Si vous êtes maintenant en couple, si vous êtes en couple, bien écoutez, ici, de toute façon, séparation, alors, plusieurs possibilités, hein. Soit vous êtes dans une triangulaire, puisqu'on ressort la notion de l'étranger ici, donc d'être effectivement séparé de la personne étrangère hein, à votre vie, que vous aimez certainement. Hein, j'ai l'impression que, bon, vous, il y a forte chance que vous aimiez cette personne qui est loin de vous, qui est étrangère à votre vie, mais vous en êtes séparé, et attention. Parce que moi, j'ai l'impression que cette personne est fausse avec vous côté sentimental. On voyait, hein, je le répète encore une fois, juste avant, une personne qui est intéressée. Et là, moi, ça me confirme le côté hypocrite, le côté médisant. Hein. On n'est pas sur une personne super franche.
Et en plus de ça, avec la carte du changement, j'ai l'impression que les choses peuvent être assez inconstantes entre vous. Au vu de la façon dont c'est entouré, si vous voulez, j'ai l'impression, alors déjà, de un, changement, ça représente la mobilité. Donc on voit bien que vous êtes loin, hein, que vous êtes éloignés l'un de l'autre. Et en plus de ça, je pense que c'est inconstant. C'est-à-dire qu'un coup, c'est l'été, tout va bien, c'est chaud, c'est voilà. La fois d'après, c'est l'hiver, c'est froid, on se parle plus, séparation, voyez? Donc c'est pas très très, c'est pas stable, c'est pas stable du tout là dans votre vie sentimentale. Donc c'est ce qui bloque, hein, évidemment, c'est les choses peut-être sur lesquelles il vous faut travailler. Mais faites attention, vraiment, je vous le dis, on n'est pas franchement sur la trahison non plus, mais j'ai l'impression que cette personne, elle est pas très honnête, hein. Par rapport à vous, ouais. Gardez les discussions à distance, hein. Étranger, distance, relation à distance, hein, discussion à distance, bon. On peut quand même être facilement sur une relation de triangulaire ici, hein. Je préfère vous le dire parce que ça y fait vraiment fortement penser. Et dès le début, on a le 5 de bâton, donc c'est vrai que bon, c'est souvent quand on est attiré par les personnes qui ne sont pas libres. Allez, on va regarder l'évolution sentimentale pour vous. Encore cette idée de mariage ou d'engagement ici. Et de rivalité. Bah écoutez, comme ça, rivalité, instabilité, on revient bien sur la même chose. On revient bien sur ce 5 de bâton, il n'y a pas à faire, hein. Écoutez, ici on a une femme, donc ça peut vous désigner ou ça peut désigner la femme que vous avez dans votre cœur si vous êtes scorpion. Là, le problème que j'ai, si vous voulez, avec cette évolution, c'est que je peux même pas dire que ça va parler aux célibataires. C'est pas possible. C'est pas possible parce que la carte de la joie avec la jalousie, c'est vraiment la personne qui est engagée en fait, hein, la personne qui est marié ou qui a comment dire, le bonheur et la satisfaction dans une relation d'un côté, mais il y a rivalité. Il y a rivalité, il y a une tierce personne, et donc, bah oui, sentimentalement parlant, regardez, il y a bien la famille, hein. Il y a bien la famille. Et il y a une rivalité, il y a une tierce personne ici. Donc bon, bah, si vous êtes en triangulaire, moi je pense que ça, c'est vraiment un tirage très très porté sur la triangulaire ici. Donc pour moi, ça va être je pense, le titre de votre mois de mars, malheureusement, parce que là, tout votre jeu est porté là-dessus. Ouais, on voit des liens familiaux qui sont très instables, on voit une vie familiale et sentimentale qui est très instable, et puis bah de toute façon, voilà, il y a une femme ici, je pense, qui est engagée, et il y a une rivalité, il y a une tierce personne. Voilà. Et je ne peux pas vous dire autre chose, donc d'ici fin mars, on va rester sur cette notion d'instabilité, on va rester, regardez, on retrouve la carte du changement, hein, de la variation. Qui confirme la notion d'instabilité. Je l'avais dit tout à l'heure, on la retrouve encore ici. Il peut y avoir peut-être des vacances, hein, sur ce mois de mars, ou si c'est pas des vacances, ça peut être un petit week-end que vous allez faire avec votre famille. Moi, j'ai une femme, hein, pour moi ici, qui est engagée, qui a une famille, et il va y avoir un petit voyage en famille, etc. Mais le lien dans cette famille n'est pas stable, et il y a une tierce personne de toute façon. De toute façon, il faudrait presque que je recouvre cette idée de jalousie pour voir un petit peu. Je vais le faire. Et ouais. Eh bah ouais. Eh bah ouais. Retour. Voilà. Sexualité. Ben voilà. La rivalité. Hein, vous me sortez la rivalité avec la passion. Avec la passion, avec la liaison extra-conjugale, hein, la tentation. Donc on est bien, bel et bien, pour moi, sur une triangulaire. Et si vous aviez, regardez, le retour à la trahison, hein.
vous allez retrouver cette personne tierce. Hein. Il y a un retour à la communication ici, mais il y a un retour à la communication et en même temps, il y a un retour à la trahison. Vous allez vous retrouver hein, avec ces regardez, retrouvailles avec la personne étrangère que l'on aime. C'est très très clair ici, hein, ami Scorpion, je ne peux pas vous parler d'autre chose. Le tirage est tellement limpide du début jusqu'à la fin que voilà, c'est triangulaire, pile, poil, il y a rivalité, il y a une relation autre, en dehors de ce mariage en fait ici. Donc, ami Scorpion, c'est pas compliqué, si ça résonne avec vous, ce qui n'est peut-être pas le cas, si c'est pas le cas, vous pouvez écouter votre ascendant ou votre signe lunaire. Des fois l'ascendant parle mieux d'ailleurs que le signe solaire. Mais si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter parce que moi j'aime bien échanger, avoir aussi votre point de vue, vos expériences, voilà, j'aime bien échanger avec vous. N'hésitez pas à soutenir la chaîne les amis, pour ça vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. Et puis bah, écoutez, n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bah quoi qu'il en soit, bah je vous souhaite bon courage hein, parce que de toute façon, bon, ouais, c'est jamais simple quand on est pris dans les relations de triangulaire. Donc, je pense que la nouveauté, elle est là. Hein. La nouveauté qu'on avait avec l'as de denier, se relever d'un échec. Bon, alors j'ai l'impression que la nouveauté, elle est du coup avec l'énergie tierce, mais bon, c'est comme ça. On choisit pas, voilà. Il y a des retrouvailles avec l'énergie tierce, voilà. Bon, c'est tout. Je vous embrasse bien bien fort, amis Scorpion, et on se retrouve très très vite. À bientôt.